De nombreux bus et trambus sont restés au dépôt aujourd'hui. Inquiets et en colère, les employés du réseau de Bayonne font valoir leur droit de retrait. Car hier après-midi, l'un de leurs collègues a été violemment agressé. C'est un gars qui est monté avec un pitbull, sachant que les crochets n'ont pas le droit de monter. Donc ça part de pas grand-chose. Et lui, Philippe lui a dit de descendre. Il est descendu de son poste de conduite. Il l'accompagne gentiment dehors. Le gars est descendu. Il y avait trois personnes dans le bus. Bon, et eux, ils n'ont pas du tout apprécié cette manière de faire. Donc c'est parti de là. Quoi. Inconscient lors de sa prise en charge par les secours, le chauffeur, âgé de 58 ans et père de trois enfants, est en état de mort cérébrale. Ses collègues demandent à la direction et à l'agglomération de nouvelles mesures de protection. Mettre une barrière pour que personne n'aille agresser le chauffeur. Et ça, c'est ce qu'on a demandé aujourd'hui. Et plus de moyens, de la sécurité et surtout de la radio. Parce qu'avant, on avait la radio qui fonctionnait bien à certains endroits. Maintenant, elle ne fonctionne pas. Une cellule psychologique pour les salariés a été mise en place dès ce matin. La police a lancé un appel à témoins et cinq personnes ont été placées en garde à vue.